Prêt, mon commandant? Bah, j'enlève mes lunettes du coup. Coucou! C'est le 24! Enfin, non, c'est le 25 pour eux. Parce que je vais poster c'est demain. C'est le 24 pour nous, on est pas dans le futur. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait le 24 et le 25? Oh, on mange! On mange toute la journée parce qu'on fait à manger et qu'on grignote, on prend, on fait comme ça, hein? Ouais. Grignotons. Ouais. Alors, comme vous le savez, nous habitons aux États-Unis, donc nous ne voyons pas notre famille cette année exceptionnellement. Nous fêtons Noël tous les deux. Mais en couple mi-couple. Et donc il y a des petites traditions que moi j'ai dans ma famille généralement à Noël. Et une des traditions, c'est d'avoir un petit paquet avec plein de planches. C'est ça qu'on dit, des plaques. Des plaques de chocolat. Et puis bah, on picore voilà, à peu près du 24 au 31, voire au 2-3 janvier hein. Et ici c'est ce qu'on appelle les chocolate bark. Bark. Bark à pas confondre avec barf, qui est le vomi. Le vomi, voilà. Donc ce sont des plaques de chocolat. Alors ici, ils en font, mais ils en font à des goûts qui sont pas forcément les nôtres. Hein, chocolat avec de la menthe, voilà, c'est pas terrible. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On est en couple, on n'a pas peur, on va se lancer et on va faire notre chocolate bark. Nous-mêmes. Nous-mêmes. Voilà, allez. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette... C'est première fois, hein. Toute première fois, j'ai jamais testé, j'ai jamais fait, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Il nous faut une recette qu'on suit à la lettre bêtement, hein, comme Mercotte. Une recette à la Mercotte. Parce que moi j'aime bien la pédagogie. Transmission, partage. La pédagogie, c'est intéressant. Et puis, on va s'exécuter. Ça a l'air d'être simple, comme simplé. Donc, on devrait y arriver quand même. Bah, j'espère bien, oui. Puis surtout que c'est pour vous montrer que si c'est simple, vous pouvez aussi faire vous-même, puisque tu peux vraiment faire comme tu veux, les goûts que t'aimes, les goûts que t'aimes pas, les goûts que t'aimes, et c'est à l'infini. Les goûts que t'aimes pas. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Deux ingrédients. Et le talent, comme t'as dit tout à l'heure. Le premier, du chocolat blanc, puisque nous, on a décidé de faire chocolat blanc pistachio. Ouais. Parce que c'est, moi, une association que j'aime bien. Néo, il est pas compliqué, il s'en fout, de toute façon. Oui, moi, j'aime bien. Chocolat blanc, donc, on nous conseille de prendre des petites... comment on dit? Pastilles. Ouais, des pastilles, parce que ça fond mieux. Et donc, on peut apparemment tempérer le chocolat au micro-ondes. Donc ça, dans le pâtissier, on les voit toujours sur une casserole avec le thermomètre et tout, si tu peux faire ça au micro-ondes. Bah, on va voir, ça va bien faire marrer, hein. Oui, voilà, c'est surtout ce test-là qu'on veut faire. Et on a acheté des pistachios comme ça, qui sont raw, donc elles sont pas roastées ni rien. On va les faire roaster. Oui, t'as dit raw, t'as dit roasté, ils ont rien compris, je pense. Ah. Brut, non... Brut. Et non traité. Non traité, non grillé. Et donc, on va les faire griller. Au four. Ouais. Four à 350 degrés Fahrenheit, je vous mets ici en Celsius. Est-ce que c'est bon? Ah, ça sent le prout déjà. Oui. C'est bon déjà. C'est vraiment méga simple de faire vous-même griller vos propres fruits secs comme ça. J'ai fait une recette avec de la poudre d'amande. Avant, j'achetais ma poudre d'amande et là, je l'ai fait moi-même. Donc, j'ai fait griller mes amandes. Je les ai mis en poudre et franchement, le goût n'a rien à voir. Donc, si vous avez l'occasion de pouvoir faire griller vous-même vos petits fruits secs, là, il faut le faire parce que ça n'a rien à voir au niveau du goût. Alors, par contre, si je puis me permettre, parce que bon, c'est un peu la guerre, je viens de recevoir un message à l'instant qui dit qu'il y a les storms là qui vont arriver. Ouais. Il peut y avoir du power outage, il peut y avoir des électricités là qui pètent là. Ouais. Il va falloir l'utiliser pour voir que ça pète. On y va alors, hein. Ensuite, il nous faut donc du chocolat blanc qui va dans un truc en verre qui va au micro-ondes. Et il faut 430 grammes, c'est ça? Ouais, c'est ça. À peu près. 16 onces, 430 grammes. Hop là. Attends, mais je vais goûter. Ouais. Parce qu'ils disent qu'il y a de la vanille. Il dit flavor à la vanille. Ça fait galac. Ça fait galac. On dirait du galac. C'est ça que tu cherches depuis c'est ça que je cherche depuis tout le temps. On trouve la base. Ah. Alors là, on rencontre un souci. T'avais pas regardé la recette avant? Non. Bah, on va faire la moitié. Mais on va mettre la moitié des pizzas. C'est n'importe quoi. 284 grammes nous avons. Donc ce sera 284 grammes de chocolat. Bref, ça n'empêche pas qu'on va voir si on peut tempérer ça. Ouais. Donc, il faut mettre au micro-ondes. On dit que la pâtisserie, bon c'est pas vraiment la pâtisserie, mais on dit que la pâtisserie c'est dans la précision. Et ben on y est bien là. Half power ou defrost. Ça fait mal. Pendant 30 secondes, et c'est ça qu'ils disent. Il faut faire bien par truc de 30 secondes. 30 secondes tu remélanges. 30 secondes, donc, tu remélanges. Et c'est ça qui t'empêche. 30 secondes, tu remélanges. Voilà. J'ai cherché la Maryse. Là, c'est sur la mienne, la tienne. Focus. La mienne. Bon. Bah, bon. Écris Merry Christmas. Voilà. Vous nous croyez, de toute façon, on va pas vous mentir sur.
toute façon, ils disent 30 secondes, il faut mélanger, et si c'est pas fini d'être fondu, il faut faire toutes les 15 secondes d'intervalle jusqu'à ce que ce soit bien fondu. Et il faut surtout pas le surchauffer, donc il faut quand même surveiller le bazar. Mais c'est une tempête de quoi qui arrive? De neige? Non. Bah non, je crois pas. Vu la température, non. C'est quoi qui sent? C'est les pistachios? Bah ouais, ça sent, ça sent pas très bon. Ah non, ça sent trop bon. Ah, tu trouves? Ah ouais. Ok. C'est pas bien compliqué comme recette, c'est-à-dire qu'il y en a qu'un qui bosse. Donc en attendant, je prépare la petite feuille de papier sulfurisé puisqu'on va venir ensuite étendre le chocolat là-dessus. Ensuite, on va broyer les petites pistachios, on va étendre le chocolat qui sera encore chaud, mettre les petites pistachios et puis ensuite il faut juste attendre que ça se fige et une fois figé, eh ben, on fait des plaques de chocolat. Je vous dis, ça a l'air tellement simple que ça m'étonne. C'est indécent. Si c'est aussi simple que ça, et puis alors vous pouvez décliner à vraiment tous les goûts. Je sais que dans la recette que je suis, ils ont mis des petites cranberries séchées. Enfin voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait. Après, ça se décline à l'infini quand même, cette histoire. Test de la pistachio. Ah, oh. Bah, c'est bon, c'est fondu. Ça a plus de goût de pistachio, en fait, maintenant. Ah. Alors, tu viens étendre le chocolat blanc, là, maman. C'est délicat. Bien l'étaler, tu vois. Je comprends. Bon, normalement, il y en a plus que ça, étant donné que c'est normalement 400 grammes, on a la moitié. En même temps, on n'est que deux, hein. Est-ce qu'il est bien tempéré, là? Tu crois qu'il est bien tempéré? On n'a pas fait comme ils disent chez Mercotte. Vraiment, on a fait ça au micro-ondes. Comme des étudiants. J'ai rien contre les étudiants, hein. Il y a des étudiants qui malgré... sont parfaitement décents. Juste un micro-ondes, font des trucs formidables. C'était pas notre cas, nous. Vous voyez, si on peut faire ça au micro-ondes, tout le monde peut faire, quoi. Attends, parce que je fais bien, là. Ah oui, mais du coup, je fais quoi? Bah, mais sur le côté, plutôt. T'as l'impression d'être un maître chocolatier. Oh oui, l'impression d'être Willy Wonka. Willy Wonka. C'était pas la lampée la plus agréable, hein. Fait plus... Ah, c'est joli, maman. C'est vrai? Ouais, franchement, c'est pas mal. Pas la marmoine sur la fin. Non, ça fait comme une... tout à fait. Sans le vouloir, mais ça fait comme... Ouais, mais là, regarde, il n'y en a pas et... Attends, il y en a là. Bon, on va laisser ça 2 heures, comme ça, sur le côté. Et puis, ben, on vous reprend à la fin pour venir casser et ben, mettre dans quoi? On va mettre ça. Dans le ventre. One hour later. Deux heures. Non, c'est pas vrai. Ça fait pas 2 heures. Non, ça fait 1 heure. Mais écoutez, ça a l'air dur. Parce qu'on avait mis moins de chocolat dans la recette. On va dire ça. Ça a l'air de lui faire plaisir. Ouais, c'est plus ça qu'autre chose. Attention. Ça en fout partout. Voilà. Oh, c'est dur. Putain, mais c'est hyper dur en fait. C'est chocolat blanc. Chocolat blanc, c'est peut-être un peu plus doux, tu vois. Écoutez, franchement, ça ressemble à ce qu'on achète avec mes parents. Hein? On n'a pas attendu 2 heures parce que bah... On va prendre le café. Ouais. Et je voulais du chocolat avec mon café. Là, j'ai je suis assez surprise parce qu'il y a des trucs, t'as en tête, t'as l'impression que c'est compliqué. En fait, hyper simple. Il est peut-être pas simple, il est tout simplement pas tempéré, tu vois, le chocolat. C'est peut-être juste ça. Eh ben écoutez, voilà, pour cette petite vidéo des familles, je suis un peu surprise de voir que c'était aussi simple que ça. Et que... Opération réussie. Mais ben oui, parce que franchement, c'est des trucs que tu peux faire tout seul, quoi. Ouais. Hein? Et en plus, tu peux faire les goûts que tu veux, les chocolats que tu veux. Vidéo vous a plu, je sais que je poste cette vidéo le 25 décembre donc je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Tout à fait. Voilà. Et surtout à l'année prochaine. Ouais, à l'année prochaine. Vite fait, bien fait parce que là ça va, c'est nain. Hein. Et on vous retrouve parce que je pense que ce sera une vidéo quand on. Ah, mais j'ai pas le choix. Ah oh, beignet. L'avez goûté quand même? Ah, bah oui, vous pensiez pas que quand même. Bon, moi j'ai goûté un peu tout à l'heure. Hein. Bah oui, c'est bon. On retrouve le chocolat blanc, on retrouve la pistache. C'est simple, mais c'est bon. Bon chocolat. Chocolat galac. J'en reviens pas. J'ai mis un peu trop de bronzer sur mon visage, non? Je fais orange. Je sais pas trop.